C'est frustrant pour lui comme pour moi. Pour moi, parce que, entre guillemets, bah, c'est une défaite. Pour lui, parce que c'est pas une vraie victoire. Parce qu'il va dire j'ai gagné. Enfin, même lui, je pense qu'il ne dira pas, le connaissant, il ne dira pas j'ai gagné. Au mois de mai, ils ont booké la salle. Donc, j'espère que ça sera au mois de mai. À court terme, comme ça, je me dis, bah, vu qu'il n'y a pas eu de combat, vraiment, il y a eu deux rondes. Je me dis, c'est franchement, tu sais, ça me rappelle le combat de, comment il s'appelle, Johnny Walker contre, je sais plus, le Tchétchène, là. Il n'y a rien eu, c'est frustrant, tu te dis, bon, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut dire, ouais, mais Baki, il gagnait déjà, oui, mais non, Cédric, il avait l'avantage. Et là, on reste sur notre fin, donc forcément, on a tous envie de voir, entre guillemets, un combat, j'aime pas le mot revanche, on a tous envie de voir un combat. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a des trajectoires différentes, je sais pas, après, c'est... T'es prêt à le faire prochainement? Ah oui, j'ai eu. En vrai, c'est la suite logique. Normalement, c'était Baki, puis Jason Jackson pour la ceinture du super champion.